Alors la Voie Libre, c'est vrai que nous c'est un événement, on y participe justement pour redonner l'importance en fait à ce site des murs à pêche, montrer que cette autoroute aujourd'hui est une balafre. C'était d'ouvrir cette autoroute aux piétons pour leur permettre non seulement de circuler sur l'autoroute mais surtout de traverser les murs à pêche dans un sens qui aujourd'hui n'est plus possible les jours de circulation. On est très content que depuis quelques années cet événement fonctionne très très bien et que tout le monde se l'approprie. Il n'y a que dans mon train qu'on peut faire ça, et on peut faire du vélo, on pourrait s'amuser. Dans les autres villes comme dans les villes de Paris, quoi, on ne pourrait pas faire ça. Ouais, il y a dans mon train qu'on peut faire ça. Ouais, bon, allez, on se prend à rêver en fait d'un espace un peu plus citoyen, un peu moins autoroutier, qui puisse relier et renouer en fait avec les murs à pêche, qui sont, on le rappelle, en fait la dernière surface horticole de cette qualité-là en fait en région parisienne. Et voilà, nous on est très fiers de soutenir ce projet et symboliquement d'être là sur l'autoroute aujourd'hui, l'année dernière et on espère l'année prochaine. C'est le festival éco-citoyen de Montreuil et de l'année. On est ravis de pouvoir pousser le bouchon un petit peu plus loin avec des organisations ou des acteurs qui sont dans la même dynamique et co-construire tous ensemble cette manifestation. Cette réappropriation de l'autoroute par le piéton, le vélo et toutes ces idées citoyennes et écolo. Cette autoroute qui a coupé la ville en deux réunisse tous les gens de la ville une journée. Et c'est quand même une initiative incroyable qui reste artisanale et qui pourtant est assez pro et qui demande une grosse organisation et qui reste hyper fraîche et ludique. Alors je suis venue l'année dernière pour la première fois à la Voie Libre en tant que visiteuse et j'ai tellement enthousiaste que j'ai voulu absolument participer. J'ai trouvé ça unique. La Voie Libre, c'est faire appel à l'imaginaire et puis c'est être aussi très concret. Ah, moi je pense que c'est un super effet. Oula, c'est pas suffisant, excusez-moi, monsieur. C'est par là, l'océan. Ça fait des années que je viens sur cette manifestation, c'est extraordinaire. Ça devrait être tous les dimanches. Je suis un inventeur et bricoleur et réparateur et j'accueille les enfants pour qu'ils profitent de l'autoroute en roulant. Beau. Ce qui est beau là, c'est évidemment le fait de pouvoir se placer comme si on était dans la nature. Quoi. Pour la voie est libre, on peut manger des compotes et des pommes et des pêches. C'est du sourire, c'est du bonheur. On ferme sur 2 km pour que les gens se fêtent, restent ensemble, ils mangent, ils dansent. Mais aujourd'hui, on est sur la voie libre, tout le monde parle, on crée d'amitié, on fait une vie de convivialité, on se rencontre, on se mélange, on fait tout. Une mixité de gens, mais c'est le paradis absolu, quoi. Pourquoi tu es pas sujet à ce que j'ai compris.
on est pour la deuxième année consécutive avec La Voie est libre. Et on sonorise entièrement à l'énergie solaire et à l'énergie musculaire, donc avec des vélos génératrices. Donc on invite aussi les visiteurs à pédaler pour générer l'énergie nécessaire au concert. Il faudrait que ça soit constamment comme ça dans tous les festivals. Il faudrait qu'ils se servent de ce concept-là parce que c'est l'avenir. Voilà. La Voie est libre, c'est inventer votre propre voyage. Je m'appelle Ali, ouais. Je suis bénévole aujourd'hui à cet événement. Essa música é uma delícia. S'entraider, s'emballer, marcher ensemble pour aller plus loin. Tout est au top, voilà. On entend même les oiseaux chanter entre deux tours de manège. On a l'impression là de se réapproprier l'espace public et c'est très agréable. Super. Chaque année, ils le font, ça, je trouve que c'est un régal. Tout ça, ça fait de la mixité et c'est important. Un seul mot pour dire à la voix. Fantastique. Libre. C'est free, isn't it? Encore L'évasion, on va dire. Diversifié et participatif. La liberté de pouvoir marcher là où habitude, habituellement, on ne peut pas le faire. Je souhaite que ça s'étale jusqu'à le périph dans les années à venir. Initiative, je suis content d'être là, voilà. Je crois que c'est vraiment une idée hors du commun, un endroit atypique, sur une autoroute. C'est juste l'idée excellente. Je dirais une dédicace à tous les bénévoles de toutes les associations qui sont ici présentes. Ah, bravo. C'est un bon espace, celle-là. La voie est libre.